Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui j'ai décidé de relever le défi de Jonathan de la chaîne L'œil dans le noir. Il a renouvelé son TOL Challenge, donc TOL pour T, tarot, O, oracle et L, livre. Alors, c'est toujours sur la maison d'édition Alliance Magique. Donc là par contre, on peut choisir Arcana Sacra, Améthyste, Danae et voilà tous les groupes qui sont associés, puisque comme son nom l'indique, Alliance Magique, c'est une alliance de plusieurs groupes. Et en fait, je suis fan hein, de cette maison d'édition depuis très très longtemps. J'ai ouvert ma chaîne il y a maintenant plus de 4 ans. Ils se sont développés d'ailleurs au même moment, donc j'ai pu suivre tout leur parcours en même temps. J'aimerais bien d'ailleurs, si ils regardent cette chaîne, pouvoir également bénéficier de temps en temps d'une sortie de leur soit ouvrage, soit jeu, bien sûr, hein, parce que je suis vraiment fan de leur travail. Donc j'ai relevé le défi avec joie, parce que des livres, des oracles et des tarots de cette maison d'édition, j'en ai quand même pas mal. Et d'ailleurs, il nous a dit, Jonathan, qu'on pouvait tricher. Donc d'ailleurs, je vais tricher pour les livres, bizarrement, et pas pour les tarots ni les oracles. Alors, je vais commencer par les livres. Alors, le premier livre que je vais vous montrer, c'est « Comment utiliser le petit Lenormand » d'Alexandre Musruc aux éditions Arcana Sacra chez Alliance Magique. Donc je trouve que ce livre est très bien fait pour les débutants. Il est au prix de 18 €, il a été imprimé en France en respectant l'environnement, donc vraiment ça c'est très très bien. Il est très facile à lire, il est très concis, et pour les débutants vous avez vraiment tout l'essentiel qui vous est nécessaire, avec le sens général de la carte, le secret que contient la carte, quel objet, lieu peut être associé à cette carte, le temps aussi qui peut être associé à cette carte, et sa signification dans le domaine professionnel, dans le domaine affectif, financier, et même, et ça c'est super intéressant, dans le développement personnel. Ça c'est très rare quand on trouve cette information. Donc voilà, là dans ce livre on le trouve, et il y a même un mantra. Vous pouvez très bien réciter, tirer une carte au hasard hein, du petit Lenormand, et réciter avec un mala ou avec une musique en ambiance. Vous pouvez réciter ce mantra et puis après travailler autour de ce mantra. Par exemple, ici je suis tombée au hasard sur la carte du jardin, et ici on dit je vis. On peut travailler dessus. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Qu'est-ce que vous avez déjà vécu? Qu'est-ce que vous avez envie de revivre à nouveau? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore vécu que vous voudriez vivre dans le futur, etc., etc. Donc je trouve ça super intéressant. Et puis moi, la partie que j'adore, vous connaissez maintenant je suppose, c'est la partie tirage, parce qu'il y a de nombreux tirages qui sont présentés dans cet ouvrage. Donc je trouve ça vraiment super, vous voyez, et en plus on a des exemples d'interprétation. Donc le jeu qui est utilisé, c'est le jeu d'Alexandre, et ici on a un récapitulatif des mots-clés. Donc voilà, tout est expliqué, puis aussi on a une intro, hein. Donc moi je connais bien Alexandre, donc je sais hein, depuis quand il a commencé le petit Lenormand, je connais les anecdotes qui sont liées à ses débuts. Donc vous avez les règles du petit Lenormand, combien il y a de cartes positives, négatives, neutres. Vous avez donc les règles, comment lire le petit Lenormand avec différentes méthodes, soit la méthode narrative, la méthode de la carte focus. Voilà, et puis après vous avez toutes les explications et les tirages à la fin. Donc voilà, je voulais remettre en avant ce livre, parce que je trouve que quand vous débutez le petit Lenormand, je pense que c'est le must-have, c'est-à-dire le livre que vous voilà, qu'il faut vous procurer, parce que c'est vraiment super intéressant. Et en plus c'est de la très bonne qualité, hein, donc vraiment les pages sont même un peu glacées, tout ça, c'est de la bonne qualité, c'est résistant. Je l'ai beaucoup beaucoup lu, beaucoup pratiqué, beaucoup feuilleté, et vous voyez il est intact.
Ensuite, le deuxième livre que je voudrais vous montrer, c'est pour changer un petit peu, c'est du groupe Danae. Les éditions Danae, je trouve que elles produisent des livres vraiment très 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 intéressants dans tout ce qui concerne la magie. Et vous savez, hein, c'est quelque chose qui m'attire, qui m'appelle depuis que j'ai le tarot de la magie verte. Et puis je dirais peut-être même depuis bien plus longtemps que ça. C'est juste que avant c'était resté un petit peu dans ce qui était un peu folklorique, un peu, voilà, de l'ordre des séries, des films, etc. Je ne connaissais absolument personne hein, qui pratiquait la magie, donc pour moi c'était assez folklorique, et puis point barre. Et avec le tarot de la magie verte, j'ai découvert hein, que certaines personnes célébraient nos anciennes fêtes païennes, avaient, voilà, faisait de la magie en fait, hein, tout simplement. Moi j'ai un petit peu de mal avec le mot sorcière, mais bon voilà, j'aurais préféré la prospérité, l'abondance en magie, point, voilà. Parce que je pense que peut-être le titre peut faire peur à certaines personnes. Moi pas du tout, moi j'aime bien, ça me plaît et je regrette pas du tout. Parce qu'en fait j'ai commencé à le lire déjà, il est annoté. J'ai commencé à le lire, j'ai trouvé ça super intéressant. Et même à un moment donné, l'auteur fait l'explication de la carte du diable dans le tarot. Et sa vision est super intéressante. Il me donne même des détails que je n'avais même pas vus. Pourtant, j'ai quand même bien étudié le tarot. Et puis, vous voyez, donc j'ai mis des petites flèches, des petits post-it, des petits machins. Donc, il nous explique la différence entre la prospérité et l'abondance. Donc, ça, c'est super top. Et puis, il y a toute une partie du livre qui va nous parler de rituels, bien sûr, voilà, de correspondance en magie pour travailler l'abondance. Et comme je vous l'ai expliqué, en fait, j'ai commencé par travailler la purification. Ensuite, j'ai travaillé la protection. Et ensuite, là, je me mets à travailler l'abondance et la prospérité. J'ai ce livre depuis plusieurs années. Je crois que ça fait bien 2 ans maintenant. Je ne l'ai jamais lu. Je l'ai toujours laissé dans l'armoire et j'ai toujours repoussé sa lecture. Je pense que je n'étais pas encore prête. J'avais pas encore assez de connaissances en magie pour pouvoir peut-être tout comprendre, pour pouvoir m'y intéresser vraiment. Et là je m'y suis mise et vraiment j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Alors sauf que là j'ai pas trop le temps vraiment de lire, donc ça, la lecture se fait assez assez lentement, mais je compte bien continuer à le lire cet été. C'est un livre qui coûte 16 €. Il est imprimé en France, toujours en respectant l'environnement. Et moi, il m'a beaucoup, beaucoup plu. Alors, je travaille en ce moment avec les plantes. Donc, je ne fais pas de rituels, de choses comme ça. Mais pour l'instant, je m'intéresse aux plantes, aux encens. Vous voyez, qui pourraient permettre d'amplifier une demande à l'univers, d'amplifier voilà, le travail que je fais lié à l'abondance et à la prospérité. Avec, par exemple, ce que je vous avais montré avec le petit Lenormand, c'est la planche radionique de Mademoiselle Lenormand, où j'ai mis des fois des vœux pour attirer la prospérité, l'abondance à moi. Et je me suis dit, pourquoi pas amplifier cette demande avec un petit peu de magie, donc en rajoutant un encens que je fabriquerai moi-même. Voilà, donc moi j'y vais vraiment petit à petit. Après, il y a la création de sigils. Après, on a des rituels tout faits avec la liste des ingrédients qu'il faut, la liste de ce qu'il faut dire, etc. J'en suis pas encore là, mais je vous avoue que je dis pas non au fait d'essayer. Après, voilà, c'est bien aussi peut-être. Pour l'instant, j'y suis pas encore. En tout cas, j'ai bien aimé ce livre. Je pense quand même qu'il s'adresse à des gens qui doivent quand même s'y connaître un petit peu. Et c'est très bien que j'ai attendu parce que j'ai appris certaines choses via des vidéos sur YouTube, puisque je suis des personnes qui font des vidéos sur la magie. Donc en fait, j'ai déjà appris pas mal de choses grâce à ces vidéos. J'ai appris aussi pas mal de choses grâce au tarot de la magie verte. Donc
Maintenant, ça va, je peux comprendre, même si encore des fois, ça me paraît encore un peu fou, mais je peux comprendre. Je pense quand même que c'est un livre, faut quand même avoir les bases, je pense. Enfin, c'est quoi, c'est mon avis personnel. Mais après, si on n'a pas les bases et qu'on s'accroche, on peut quand même apprendre beaucoup de choses. On peut apprendre, vous voyez ici, on nous parle des pierres qui peuvent travailler, nous permettre de travailler l'abondance et la prospérité. Vous avez vu, pierre et métaux. Donc l'améthyste, l'émeraude, le cuivre, l'argent, l'aventurine. Ça, par exemple, c'est utile de se. Si par exemple, vous voulez travailler sur la prospérité, l'abondance, vous voulez émettre un vœu à la nouvelle lune, bah, pourquoi pas écrire votre vœu et puis laisser des pierres comme ça sur votre vœu toute la soirée de la nouvelle lune, pourquoi pas ça peut peut-être amplifier les choses, hein. Je crois quand même aux énergies, je crois à toutes ces choses-là, donc je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas, autant essayer et voir si ça marche. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer. Alors vous avez ça, mais bien sûr, vous avez plein d'autres livres sur les plantes, sur en magie, les outils, le chaudron, l'autel, et j'en passe et des meilleurs. Moi, pour l'instant, je me contente déjà de lire ce livre-là. D'essayer de bien tout comprendre, de commencer à pratiquer ce genre de choses. Il y a quand même un autre livre qui me plaît bien, que j'aimerais avoir, parce que j'ai commencé par travailler sur la purification. Et je sais qu'Arnaud Tully, qui est d'ailleurs le directeur hein, d'Alliance Magique, a fait un livre sur la purification en magie. Enfin, sur la purification tout court, hein, je crois, c'est, je sais plus le titre exact. Ce livre-là, je pense que je vais peut-être me le procurer. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé, j'ai commencé par travailler sur la purification suite à un soin énergétique que j'avais reçu. Où on m'avait conseillé, on m'avait fait un travail énergétique pour me purifier, mais on m'avait dit de faire attention et de voilà, régulièrement me purifier et aussi régulièrement me protéger. Enfin, systématiquement me protéger en me donnant des conseils. Et c'était vraiment des domaines que je ne connaissais absolument pas. Je tirais les cartes sans protection, et ça pendant des années. Je côtoyais des gens qui avaient beaucoup d'énergie négative. Moi qui suis en plus une éponge, je me suis jamais protégée. Voilà, donc bon. Donc voilà, j'ai découvert un petit peu tout ça. Et franchement, c'est un monde qui me plaît beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Ensuite, pour l'oracle. Alors pour l'oracle, j'ai eu un petit peu plus de mal parce que en fait, il s'avère que j'ai beaucoup de tarots de chez Alliance Magique et là en particulier Arcana Sacra. Je vous avais déjà présenté dans la précédente vidéo sur le Tall Challenge l'oracle de mon oracle préféré, hein, de toute façon, les cartes divinatoires d'Algariel, mais là j'ai voulu bien sûr changer. Et alors j'ai cherché, bah, en fait il s'avère qu'en oracle, j'en ai pas beaucoup en fait. Ça m'a même d'ailleurs moi-même étonnée. Par contre, j'ai trouvé ce jeu d'Antoinette Charbonnel, qui est très très joli, mais qui est sombre. Et du coup, en fait, il s'avère que c'est un jeu que j'ai très peu utilisé. Et pourtant, franchement, il est sombre, mais il est aussi lumineux. Parce que quand on regarde les illustrations blanches comme ça, elles sont juste magnifiques. En plus, on a également des mots-clés. Regardez celle-ci. Ça donne envie de se faire un bon thé ou un bon cappuccino. La sagesse avec la plume, l'amour avec le cœur, semer avec cette petite graine qui pousse, souvenir avec ce coquillage. La magie, la lady, donc là ça représente la consultante. Donc voilà, alors moi je vous conseille de faire les tranches noires, moi je ne l'ai pas encore fait, mais vous voyez je m'en suis très peu servie et pourtant ça fait des petits craquelures ici sur le côté, ça c'est normal. Tous les jeux noirs font ça, l'oracle roux, tous les jeux foncés font ça. Donc moi, quand c'est comme ça, quand c'est trop abîmé, là ça va encore. Hein. Mais quand c'est trop abîmé, bah, je repasse avec un feutre noir et franchement, c'est ni vu ni connu. Donc voilà, le savoir. C'est un bon petit jeu et je suis très contente d'ailleurs de le ressortir.
Mais c'est un jeu dont je me sers peu parce que voilà, il est sombre, il est noir en fait. J'ai toujours un petit peu de mal à utiliser les jeux qui sont sombres. Mais je ne regrette pas de l'avoir. À un moment donné, j'avais hésité à le revendre et puis en fait, non, j'ai décidé de le garder. Et enfin, je vous présente le dernier tarot de chez Alliance Magique que j'ai acheté. Je sais qu'il y a eu plein de sorties récemment, mais voilà, je n'ai pas craqué. Il y avait le Mind Hearth Tarot qui est sorti il y a très peu de temps. Je n'ai pas cédé à la tentation de l'acheter. Voilà, bon, après, on ne peut pas non plus tout acheter. Donc on a ici le tarot de Edgar Allan Poe. C'est une traduction d'une œuvre d'un tarot qui était en anglais. Et que dire, à part qu'il est juste magnifique. Alors bien sûr, ce n'est pas un jeu que je sors là à l'été, hein. C'est un jeu voilà, qui est plutôt un jeu d'automne. D'automne, d'hiver, pour moi en tout cas. Après, chacun fait ce qu'il veut. Vous pouvez très bien travailler avec pendant l'été si ça vous dit. Les cartes sont magnifiques. Je vous en ai beaucoup parlé quand il fallait sélectionner des cartes d'émotion parce que il y a des cartes qui sont très très fortes émotionnellement. Et vous avez un livre qui est excellent, puisqu'on a des informations concernant les poèmes d'Edgar Allan Poe, parce que c'est ça aussi qui m'intéresse, hein, c'est d'en apprendre davantage. À chaque tarot que j'achète, le but c'est d'en apprendre davantage sur le thème abordé, etc. Donc ici, ce tarot-là nous donne plein d'informations sur l'œuvre d'Edgar Allan Poe et en même temps sur la signification des cartes. Donc un très très beau jeu. Je suis très contente d'avoir attendu parce qu'en fait au départ, je savais pas qu'elle allait sortir en français et j'avais failli l'acheter en anglais. Et heureusement que j'ai attendu sur ce coup-là parce que sinon je me serais encore retrouvée avec un jeu en anglais alors qu'il était sorti en français. Après, j'ai hésité avec un autre tarot, mais que j'ai depuis très longtemps maintenant, c'est Histoire de sorcière. Histoire de sorcière, c'est un jeu de chez Alliance Magique, Arcana Sacra, juste sublime également, franchement. Donc voilà, donc je suis très contente de vous avoir présenté ma sélection. Donc là, je n'ai pas dit le prix, 32 euros. Donc chez Arcana Sacra. Vous pouvez retrouver sur le site d'Alliance Magine ou par d'Alliance Magique, pardon, ou dans toutes les librairies, là, dans les librairies physiques, tout ce que je vous ai montré, vous pouvez le trouver sans problème. Parce que c'est une maison d'édition qui est très présente dans les librairies physiques. Alors je dis ça parce qu'il y en a beaucoup bon, bah, voilà, qui n'aiment pas trop acheter sur Internet ou qui n'aiment pas acheter sur Amazon. Donc j'aime bien préciser quand les livres et les jeux sont disponibles dans les librairies. Parfois, bah, il y a beaucoup de jeux que je vous montre qui ne le sont pas. Donc là, autant en profiter et vous dire que je pense que si vous allez dans une librairie, vous trouverez ces jeux. À voir s'il n'y a pas rupture de stock. Ah, j'avoue que je n'ai pas vérifié s'il y avait rupture de stock sur le Edgar Allan Poe. Bon, sur celui d'Antoinette Charbonnet, je ne pense pas, parce que ça fait quand même déjà un petit moment qu'il est sorti, donc il a dû de toute façon être en réassort, mais je sais que j'ai galéré pour l'avoir, parce que moi j'avais commandé sur Amazon, et en fait il y a eu un gros retard tellement il avait été demandé à sa sortie ce jeu. Mais de toute façon, c'est dans l'ensemble, tous les jeux, les nouvelles sorties d'Alliance Magique s'arrachent, comme des petits pains. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ruptures de stock. Histoire de sorcière, je crois, est en rupture de stock deux fois. Le lac cire est revenu. Celui-là, je ne sais même pas s'il n'est pas en rupture de stock. Ça a vérifié. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce Toll Challenge vous a plu, que j'ai pu aussi vous partager
ce que j'ai ressenti, mon expérience, parce que c'est ça aussi hein, qui compte, c'est de vous présenter les jeux, mais aussi de vous parler de mon expérience avec, de ce que j'en ai pensé. Donc bien sûr, donc le livre d'Alexandre, lui, je le connais, voilà, j'ai tout lu, donc là, il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller les yeux fermés si vous voulez commencer à étudier le petit Lenormand, vous aurez vraiment la base dans ce livre pour 18 €. Ici, je n'ai lu que le début. Donc voilà, je vous ai dit un peu mon ressenti, mais en ayant travaillé que le premier chapitre ou les deux premiers chapitres. D'accord? Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!